Association pour la promotion des objectifs de développement durable APOD et la Fondation Margarita et Pierre étaient du 26 au 27 décembre 2022 dans le département du Mono et de Lomé Plateau pour soutenir les enfants vulnérables à travers l'action Noël solidaire. Soutenir les enfants, surtout en cette période de la Noël, est une chose louable. Apporter, ne serait-ce du bonheur, de la joie pour soutenir ces centres-là, ça a été toujours notre cause. Et on n'a pas été seul dans cette cause-là. C'est marcher avec la Fondation Margarita et Pierre depuis 2 ans que nous sommes dans cet engagement-là ensemble pour soutenir les enfants. Et il y a également l'ODD 10 qui parle d'inégalité réduite. Donc, impliquer tout le monde et ne laisser personne de côté. Une visite de courtoisie accompagnée des emballages de vivres et de partage de conseils. Être orphelin de père et de mère n'est pas un fait en soi. Rassurez-vous et enlevez ça de votre tête. C'est plutôt un défi pour vous. C'est un défi pour vous de dire que cet handicap-là ne doit pas vous empêcher de réaliser vos rêves. Vous devez avoir des rêves dans votre vie. Vous devez chercher à aller loin, à progresser. Il y a des enfants orphelins depuis le bas âge, mais qui sont aujourd'hui des cadres d'entreprise, des cadres de la fonction publique. Ne vous dites pas que vous n'avez pas un père ni une mère, que c'est fini. Non. Non. Ça renforce votre mental. Vous devez être fort dans la tête. Éprouvez en classe pour ceux dont les parents vivent encore, qui ont encore la chance d'avoir les parents à leur côté que vous. Vous êtes plus fort qu'eux. Parce que vous venez tous apprendre dans la même classe, vous n'avez pas la raison d'être derrière eux. Vous pouvez être devant eux et pour toujours. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve d'être le président de la République ici. Il n'y a pas quelqu'un qui rêve d'être un ministre ici. Oui. Quand même, applaudissez pour vous. Alors battez-vous. Les enfants bénéficiaires expriment leurs sentiments affectueux à l'endroit de la délégation de la visite. Que Dieu qui sonde les cœurs et les reins vous comble bien au-delà de vos attentes. Merci beaucoup à vous pour tout ce don que vous nous avez fait. Que Dieu vous bénisse, vous donne la parfaite santé, la prospérité, la joie, la paix. Merci à la Fondation Margarita et Pierre et à Paul. Au nom de tous les enfants, nous vous disons un sincère merci et nous allons prier pour vous, pour que vous en trouviez beaucoup d'autres. Promesse honorée vis-à-vis des orphelinats, mérite de la Fondation Margarita pour le succès de Noël solidaire 2022 qui tourne sa page pour l'édition 2023.